ensemble et le président qui, il y a 50 ans, était un jeune serviteur de Dieu. Nous pouvons comprendre le ralentissement du pas. Nous allons acclamer le Seigneur. Alléluia. Monsieur le Président de Christ for All Nations, Christ à toutes les nations, fondé par notre frère, le révérend Bonke, qui est ici représenté par le pasteur Marina. Monsieur le Secrétaire Général de la Fédération des Églises et Missions Évangéliques de la Côte d'Ivoire. Monsieur le représentant de l'archevêque de Ouagadougou. Monsieur le représentant du président de la communauté musulmane du Burkina Faso. Autorité coutumière et religieuse. Autorité militaire et paramilitaire. Mesdames et messieurs, honorables invités à vos grades et qualités respectives. Frères et sœurs en Jésus-Christ. Excellence, Monsieur le Premier ministre, représentant son Excellence, Monsieur le Président du Faso, alors que nous fêtons ce jubilé, ce 50e anniversaire, ce qui nous vient à l'esprit, ce sont la grâce et la fidélité du Dieu si vrai, si vivant et si présent dans notre histoire. Nous lui disons merci pour tous ces bienfaits, pour chacun de nous et pour la nation entière. Nous voulons solennellement lui exprimer toute notre gratitude et notre adoration. Nous avons entendu sa voix, nous avons compris notre responsabilité vis-à-vis de la nation, nous avons perçu tout l'amour qu'il voulait nous voir déployer au service de notre prochain dans une perspective tout à fait intégrale, prenant soin du corps, de l'âme et de l'esprit. Excellence, Monsieur le Premier ministre, représentant son Excellence, Monsieur le Président du Faso, je ne sais comment exprimer notre profonde reconnaissance à Monsieur le Président du Faso pour l'insigne honneur qu'il nous a fait en acceptant de placer cette cérémonie sous son haut patronage. Puisse le Seigneur le combler, lui et l'ensemble du peuple burkinabé, de ses riches bénédictions. Je voudrais, à cette occasion solennelle, saluer votre présence ainsi que celle des membres du gouvernement, de l'Assemblée nationale, des chefs de mission diplomatique et des institutions internationales qui, malgré le calendrier très chargé, ont effectué le déplacement au stade du 4 août. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais également m'adresser à l'ensemble des autorités coutumières et religieuses qui nous ont manifesté leur amitié